Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 5 du Let's Play Star Fox Adventures. Nous sommes déjà rendus à 50%. Oui, 50%. Et à 6h12 de jeu, c'est magnifique. Et donc, dans la partie précédente, dans la partie 4, déjà, on était dans un labyrinthe incroyable, tellement incroyable que j'ai dû mettre, que j'ai dû faire un espèce de montage à la Benny Hill. Voilà. Vidéo accélérée plus la musique qui va avec, c'est cool. Vu que j'étais perdu, je me perdrai pas cette fois-ci, hein, ne vous en faites pas, j'espère. Et donc oui, dans la partie précédente, nous avons combattu fièrement contre 3 sbires de Skells, armes qui étaient sur des bolides. Attention, c'est pas rien. Comme quoi ce jeu est assez original, parce qu'on s'attend à... Attends, au début, on est tombé sur un tyrannosaure quand même, un T-Rex. Presque, oui, c'est plutôt ça. Enfin, un tyrannosaure, T-Rex, je sais pas. Mais ça ressemblait à ça, et là, dans le deuxième donjon, quand on était dans la forteresse Cloud Runner, eh ben, on est tombé sur 3 sbires de Skells. C'est totalement différent. C'est très original. C'est pour ça que je fais un let's play, tout simplement. C'est un truc de fou quand même, comment c'est original. Tu, à chaque fois, normalement, à la fin d'un donjon, comme dans les Zelda, tu t'attends à un gros boss et tout, mais... Il y a toujours des surprises, quoi. Enfin bref, nous avons réussi à nous attribuer la pierre en mana. Nous avons réussi à voler la pierre en mana des sbires de Skells, qui l'avait en... Skells... D'ailleurs, qu'on a rencontré pour la première fois avec Fox. C'est incroyable, la rencontre de Fox McCloud avec le général Skells. On ne sait pas son nom de famille. Le grand tyran, encore plus tyrannique que Hitler. C'est pas rien. Et même que Staline, c'est encore plus incroyable. Mais voilà, trêve de bavardage. Là, nous allons tout simplement retourner à la plage. Là, on a rencontré la reine des Cloud Runners, qu'on a sauvée. Pour s'occuper de la pierre mana, de la pierre magique, de la pierre destructrice. Tout ce que vous voulez. Donc déjà, je vais assigner... la fire, la Gatling fire, voilà. La Gatling, je l'assigne déjà au bouton Y. Parce que je sens qu'on va pas mal l'utiliser. Contre des ennemis encore plus coriaces. Des ennemis savants. Tellement savants que... Qui nous foncent dessus sans réfléchir. Voilà, on va remonter parce que... C'est très facile en fait, hein. Avant je me suis perdu tout ça, bon, c'était surtout pour prendre les pierres de carburant, hein. bien sûr, les sphères de carburant, et bien sûr, c'était pour ça, hein. C'était pas parce que je me suis planté de chemin, non, c'était pour prendre quelques bonus, vous savez, mais tout est préparé, hein, chez ce jeune joueur Oliver Plasma, ce jeune joueur... qui est aussi perdu que Rorono Azoro. On l'a très bien vu dans l'épisode Le Labyrinthe. Voilà. Une forteresse labyrinthique. Et qu'est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? Nous le saurons. Très bientôt. Donc bah déjà on voit que la musique a un peu changé, bon le son est toujours aussi bas pour moi, mais ouais la musique a changé, maintenant c'est la musique quand il se passe des choses pas terribles quoi, quand il y a des grands méchants qui sont là, voilà. Et donc déjà on va se faire cet ennemi, parce que je crois qu'il faut se faire des ennemis, je crois, mais je suis pas sûr. Parce qu'en fait il faut trouver des pierres. Oui, c'est pas des pierres mana cette fois-ci, non, c'est d'autres pierres, des saphirs ou je sais pas quoi.
Ah mais ils aiment bien les pierres précieuses hein, chez Rare. C'est une vieille habitude. Ouais. La Gatling c'est pas assez puissant contre eux. Non, il faut juste petit coup de bâton. Et petit coup de bâton dans le vide. Oui, j'ai la gorge un peu sèche. Ah purée, mais... C'est pas possible, il est résistant ce fourbe. Attends, calme-toi, mais calme-toi. Oula, c'est quoi ce bug? Ok, la caméra qui s'est méga rapprochée et qui s'est rapprochée de l'ennemi. On voyait presque rien. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut réussir à entrer là-bas, donc je sais comment faut faire hein, pour entrer là où il y a le palais Krazoa. Un espèce de palais Krazoa, on dirait. Ok, il y a la forme du Krazoa. Vous savez, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai recommencé le labyrinthe. Oui, j'ai recommencé la forteresse maudite! La forteresse des Cloud Runners avant, parce que j'ai oublié de sauvegarder quoi. La fin de la partie 4, c'est totalement con. Et je savais plus que les sauvegardes étaient complètement manuelles en fait. Donc, du moment que si tu fais ça, c'est bon. Voilà, c'est sauvegardé. Mais ça peut pas sauvegarder automatiquement au bout d'un moment quoi. T'as pas, même si t'as des checkpoints par exemple, c'est pas avec des checkpoints que ça sauvegarde. Ça, je savais plus du tout. Ça avait rien sauvegardé, donc j'étais dans la merde. Waouh! J'ai vraiment un problème avec la manette, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Je vais juste débrancher. Bon, c'est peut-être mieux, hein. Ah bah oui, bah c'est bon. D'accord. Fallait juste le débrancher, le rembrancher. Ah, les bonnes vieilles manettes avec un câble. Là, sur Wii U, c'est plus ça, hein. Quoique, non, Super Smash Bros, on peut jouer avec les manettes GameCube, et ça, c'est cool. Ah, parce que jouer à Super Smash Bros avec une gamepad. Non, avec le gamepad. Là, c'est atroce. C'est ignoble. Alors, montons. Donc voilà, là, faut se transformer en grand méchant. En méchant pas beau. Pour pouvoir entrer. Et on peut pas monter. Ah si. De rester sur cet interrupteur, de demander à Tricky de rester sur cet interrupteur parce que lui il aime bien obéir quoi, tout simplement. Et oui, c'est un mouton. Il suit les ordres de Fox aveuglément. Et Fox il est gentil donc c'est parle. Il peut avoir un côté sombre des fois. Et nous le verrons. Ça sera dans Star Fox Révélation, épisode 8. Nous sommes seulement à l'épisode purée. Et là, l'épisode 5, c'est Star Fox handicapé. Un épisode mémorable. Ah là, ces commentaires. C'est le genre de commentaire que fera Fireflav, ça c'est sûr. Commentaire un peu stupide comme ça. Bon, on descend tranquillement. Et on va en dessous de la cascade. C'est très bien connu, hein. Souvent il y a. Ça regorge de plusieurs. Derrière une cascade, il regorge toujours des trésors, des secrets. Voilà. Récupère un peu de la vie, ça fait toujours plaisir. Bon, maintenant
le coup de la Gatling. De la Gatling glaciale. Bon, il est où? Ah. Le lance-glace. Gatling glaciale, ça sonne mieux. Et on fait monter le courant. Non, le courant, l'eau. Ah, et où ça a ouvert? Ça a ouvert un nouveau passage. Maintenant, on peut monter. On va déjà poser la pierre par là. Bien sûr, je m'étais un peu entraîné avant. Enfin, c'est surtout parce que j'avais... En fait, la partie 5, encore une fois, oui, il y a des fois, je reprends les parties. Hein, il y a des fois, je reprends les parties. Parce que la partie 5, j'étais bloqué pendant, ouais... 15-20 minutes, là-dessus. Parce qu'en fait, je trouvais pas la deuxième pierre. J'avais fait tout ça, là. Mais après, je trouvais pas la deuxième pierre. Mais bon, cette fois-ci, on va la trouver, je pense. Soyons plus optimistes. Surtout que Tricky, il s'endort, là. Il vient de bailler. Il faut être un peu plus rapide. Alors... qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il n'y a rien du tout. Peut-être un interrupteur derrière. Non. Bon, finalement, je crois que je vais être bloqué. ouais. Parce qu'en fait, c'était à partir de là que j'étais bloqué. Et que j'ai fait n'importe quoi. Ça se trouve, je me souviens d'un truc. Je me souviens qu'il y avait une barrière où il y avait... où on devait tuer un certain nombre d'ennemis, mais... est-ce que c'était sur la plage? Je sais même plus. Est-ce qu'il y en avait un sur la plage? Si ça se trouve, oui. Ah bah tiens! Oh là là, bah c'est ça en fait. On voit, il y en a un qui a besoin d'aide. Faut le sauver! Si on attaque le team du grand Fox McCloud. Ah, il est tellement fort, il est tellement courageux, Fox. Il a tellement la classe. Ah purée, il a autant la classe que Donkey Kong. Non, non, faut pas arriver non plus. Hey, you stay away, you stinking furball, or me smash you good. What? But I just saved you. Me trust no one. Sharpclaw say I steal their things, but they stinking liars. Me get out of this place. Adios. Ah, et ceux-là, c'est les fameux indigènes, en fait. Enfin, je les appelle les indigènes, parce que... ils se comportent comme les indigènes, on va en voir plus tard dans l'aventure. Vaut mieux pas trop spoiler parce que c'est un moment assez, je dirais, assez culte de Star Fox Adventures. Faut pas spoiler. Ce que vous verrez, c'est les moments vraiment énormes du jeu, je trouve. C'est les meilleures parties du jeu, vous allez voir. C'est dans la deuxième partie du jeu, ça va toujours être aussi rythmé. Hein. Bon, on est à 50% déjà. Enfin, déjà, ça fait 6 heures quoi. Donc, bon, c'est près de 13 heures. On finira peut-être à peu près 13 heures le jeu. Ce qui est quand même peu. Parce que, bon, en même temps, je connais le jeu. Normalement, il est un peu plus long. Si on connaît pas le jeu, c'est sûr que c'est toujours un peu plus long. Enfin, quoique, quand je me suis planté dans la forteresse, voilà. Là, non.
C'était honteux. Donc alors, là je dois m'occuper des... Je crois qu'il y a des interrupteurs, peut-être pas loin, de l'autre côté. Ils sont tellement fourbes des fois, voilà. C'est aussi fourbe... C'est aussi fourbe que le code, c'est cool. Non, non, peut-être pas, peut-être pas. Non mais après quand on connaît ces petites techniques là, des fois quand ils mettent à chaque fois les interrupteurs vers le haut et de l'autre côté, bon, on se fait plus avoir quoi. D'accord, je me suis fait toucher, c'était magnifique. Cette skill légendaire, hein. J'arrive même pas à voir le champignon. Oh, tiens, il s'est fait assommer par les flammes. C'est tellement logique. Ah voilà, il a faut tomber, faire tomber le bloc. Ah, les énigmes à la Zelda. Ça fait toujours plaisir. Mais ouais, mais là, faut redescendre l'eau. Et pour faire redescendre l'eau, faut sans doute retirer là-dessus, je pense. Voilà, c'est ça. Et comme par magie, Fox, il est déjà sur l'eau. Il est déjà à la surface. Ok, je voulais pas faire ça. Pardon, Chucky. T'en faut encore le tirer. Et là, c'est bon, maintenant on peut passer. On peut passer tranquillou. Je crois que c'est ici. Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr et certain. Quoique, cap clos. Non. C'est... Oh là là. Mais c'est pas possible. Roronoa Zoro, sors de ce corps. Oh. Oh là là. Ceux qui connaissent un peu One Piece doivent me comprendre. Et ceux qui connaissent pas mais qui aiment les shonen, foncez sur One Piece. Voilà. Excellent shonen. D'ailleurs, je sais pas, j'avais mis dans la description, je sais plus de quelle vidéo, il y a pas longtemps. Je crois que si, c'était sans doute la dernière partie de Star Fox que j'avais faite, peut-être. Ah non, non, dans Far Cry 1. Je crois que c'est vidéo test de Far Cry 1. J'avais mis pas mal de trucs. J'avais mis que je ferais des vidéos tests de sur des Naruto que j'ai. Purée. Un Naruto que j'ai sur GameCube, un autre sur Wii, et puis un autre que j'ai acheté assez récemment sur PC. Parce que... Le PC, il a que un an, donc c'est pas si vieux que ça. Avant, je pouvais rien faire tourner avec mon vieux PC de 2004. C'était un PC gamer, mais... Dès que tu mets un jeu de 2008 dessus, c'est mort. Enfin bref, j'allais vous dire que ouais, je vais faire une vidéo test sur parce que je me suis rendu compte que j'ai fait que sur Dragon Ball Z. J'ai fait sur des mangas, j'ai fait que sur Dragon Ball Z. J'ai même pas fait d'autres jeux tirés de shonen. Et c'est assez incroyable. Parce que franchement, les One Piece par exemple que j'ai sur sur Wii, ils sont vraiment excellents. Voilà. Puis d'ailleurs, il y a le dernier que j'ai sur Wii U, One Piece Unlimited Red, je sais plus quoi. Bon, ils ont des noms complexes par contre à chaque fois. Même les Naruto, c'est pareil, t'as toujours des noms de psychopathes. Mais tu retiens jamais. Mais bref, le dernier One Piece, ouais, bah, je suis pas trop convaincu pour l'instant. Que je m'attendais à que ça soit du même site que Unlimited Quiz 1 et 2 sur Wii. Il y en a un autre qui était sorti aussi sur Wii, c'était Unlimited Adventures, je crois, un truc comme ça. Mais celui-là, ah, et là c'est énigme très spéciale. Faut se souvenir de tout ça pour pouvoir passer sur les... Enfin, vous m'avez compris, je pense.
pour pouvoir passer là-bas, parce qu'en fait, il y a certains blocs qui sont... Enfin, certains interrupteurs qui sont électriques. Et ceux qui sont électriques, voilà, c'est ceux qui sont pas illuminés. Faut surtout aller sur ceux qui sont illuminés et regarder par rapport à là. Là, par exemple, je vois que c'est le deuxième qui part par la droite. Et ben non, c'est pas celui-là. C'est énorme! Oui, c'est le deuxième partant vers la droite. Non, c'est pas du tout ça. Là, ça doit être le premier. Bah attends, c'est le premier partant de la gauche ou le premier partant de la droite? Parce que j'ai du mal, attends. Bon, ce qui serait logique, c'est plutôt ça. Ah, bah voilà, c'est ça. Par contre, je m'en souviens plus. Merde. Mercredi. Bon. Alors, oh bah ça va, celui-là il est moins dur. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était... Attendez, je vais d'abord me concentrer. Alors, il y en a un qui part complètement vers la droite. Un comme ça. Un à droite, un comme ça. Ah, et après ça repart vers la droite. Après, il y en a un qui va complètement à gauche. Ah, ok. Je crois que j'ai assimilé le truc. Là. Là. Parfait. Magnifique. Excellentissime. Et c'est magnifique. Donc voilà, je suis tombé sur... En même temps, je suis tombé sur une section assez facile. Mais bref. Ce que je veux dire, oui, c'est que... ouais, le One Piece, le nouveau One Piece, là, il ne... Bah, je sais pas, je le trouve bien, bah, au niveau de l'histoire, ça a l'air bah, assez loufoque comme, bah, comme la série, quoi. Ça fait toujours plaisir, moi qui est un grand fan de One Piece. Mais, allez, ça, c'est une porte qu'on pourra ouvrir plus tard. On pourra ouvrir ces portes comme ça. Ouais, dans One Piece, ouais, c'est... J'aime bien l'histoire, mais par contre, le gameplay, je le trouve mou. Mou du genou, hein. C'était le problème aussi de Unlimited Quiz. Parce que les Unlimited Quiz, il n'y avait pas énormément de coups différents. Il y avait juste des... si, peut-être... il y avait peut-être juste l'équipage au chapeau de paille qui les Mugiwara, qui sont... bah, qui ont pas mal de coups différents. Mais il se débloque assez tardivement et c'était assez relou au début, ça. Mais sinon, à part ça, ouais, les autres personnages repris de l'anime, bah, ils avaient pas... La plupart avaient pas beaucoup de coups, surtout les méchants. Donc, ouais. C'est un peu dommage. Surtout que dans la série, quoi, je me dis comment ça se fait qu'ils aient repris très peu de coups, parce que franchement, et... Dans la série, tu vois beaucoup d'attaques spéciales différentes et tout, enfin, je sais pas. C'est bizarre. Dans Dragon Ball Z, tu vois toujours la même chose, mais mais ils ont réussi à faire un jeu de combat avec plein de coups spéciaux et tout, et là, c'est le contraire pour One Piece. Dans la série animée, tu vois toujours des coups différents, Luffy fait 10 000 coups différents, à chaque fois qu'il avance dans son aventure, qu'il progresse. Alors que dans le jeu, par contre, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu ça. Mais bon, j'en parlerai surtout dans le vidéo test, bien sûr. Parce que là, on est dans Star Fox Adventure, c'est un peu différent. Bon, je crois que je vais boire parce que j'ai un peu la gorge sèche, ouais. Faisons gaffe, faut être funambule quand même dans ce niveau. On fait son funambule. On est comme un chat. Hein. Ah bah oui, mon chat il va sur les rambardes, la rambarde de l'escalier, purée, j'ai du mal. Tranquille. J'ai un chat suicidaire.
c'est totalement logique. Un peu comme là, en fait, c'est ce que fait les chats, en fait. Les jeunes chatons, voilà. Ils font les funambules, ils tombent comme des merdes. Non, ils se gamellent, mais ils se rattrapent, voilà. Ça part dans du n'importe quoi. C'est le jeu qui a voulu ça, hein. On fait le funambule, là. Là, c'est un peu plus chaud. Attendez, mais... Je suis déjà passé, en fait, là. J'avais pas autant galéré au début, oui. Je suis déjà passé, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut sauter de là? Non. J'y avais cru, mais bon, je me disais après, ouais, ça m'étonnerait quand même. Et bien sûr, un petit mur invisible par là, hein, qui se cache. Mais ouais, je pense que dans cette partie, on fera plus... Ouais, ce sera plus comme la partie 3, je pense. Ce sera moins palpitant. Voilà. Ah, on va monter. Ce sera plus des petites énigmes comme ça. Déposer, enfin, faire une petite épreuve Krazoa peut-être. Déjà, récupérer la pierre mana. La pierre magique. La pierre destructrice. Puis voilà. Et faire quelques coups de Gatling, hein, des fois, s'il y a des ennemis. Le classique. On est boule de carburant, c'est très important pour faire marcher l'air wing, hein, quand même. Il a besoin de beaucoup de carburant. Hein. Ah mais il n'y a pas de problème là. Hein. C'est pas comme nous, on est un peu en rupture là au niveau de l'essence. Là, il n'y a pas de problème. Hein, c'est, il y a des boules de carburant de partout. C'est tranquille. Hein. Et puis il les trouve gratos comme ça, hein, Fox. Hein. Tout à fait normal. Voilà. C'est bien l'espace. Hein. On peut pas mettre de feu rouge, de feu vert. C'est pas vraiment dans n'importe quoi cette vidéo. Alors on va donner des petits champignons à Chucky. Parce que lui il aime ça. Et ça se voit parce qu'il en a mangé 55 depuis le début de notre aventure. J'ai compté, hein, non. Imaginez si c'est ça réellement. Alors là, je serais le king. C'est très calme, mais c'est souvent très calme quand il y a de l'eau. Voilà. Dans les jeux vidéo, c'est toujours ça. T'as un niveau où t'as pas mal de flotte. Il faut que ça soit calme. On va prendre le cube qui se trouve je sais pas où. Voilà, là. Fury. Mais où va-t-on le déposer? Et comment va-t-on faire pour sortir Tricky du cube? Dangereux. N'importe quoi. Non, mais Tricky, c'est un fantôme. Hein. Attendez, c'est quoi ça? Bon, juste pour ouvrir la porte. Là, ok, c'est pour mettre le cube ici. Bon, c'est pas trop difficile pour l'instant. Mais j'ai envie de dire, même dans la forteresse, c'était pas difficile, c'est juste que j'étais con. <C'est>... Voilà. J'avais même pas vu avant qu'on pouvait libérer les autres. C'était quand même énormissime. Non, mais là, on peut pas. Je sais pas à quoi il sert ce cube en vrai. Ah, si! Puisque l'interrupteur était en hauteur, l'interrupteur pour faire monter et descendre l'eau, le niveau d'eau. Donc voilà, on était obligé de mettre ici le cube pour pouvoir réactionner le magnifique petit interrupteur. Mais quel talent!
Ah mais là je joue comme un vrai gamer là, j'ai plein d'idées dans la tête là. Je sens que je vais pas me paumer. Oh non, pas ça. Oh, je me souviens de ça. Oh, c'était stressant. T'étais timé et fallait en fait tirer sur les espèces de crasois là-haut qui vomissaient après de la lumière magique sur ces espèces de blocs. Fallait réussir à les faire vomir sur ces trucs. Vomir, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà. Attendez, déjà, est-ce que si je tire dessus... Ok, ça fait rien. Ah si, c'est pour démarrer, peut-être. Démarrer le début de la phase Gatling. Purée. Ah purée, hey, c'est super galère, par contre, à viser. Oh purée, c'est... ça repop. Non, ça doit pas être ça. Enfin si, mais il faut aller plus vite. Ou alors faire cracher des flammes. Ou petit Chucky. Ah ouais, d'accord. Ah, il crache de l'eau. Ah, c'était pas de la lumière manière. Hein. Bon, vraiment, je m'en souviens quand même. Alors toi, crache ton eau. Non, tu veux pas. Ah oui, mais là encore, c'est pas très difficile parce que c'est la première fois qu'on le fait. Mais vous verrez plus tard dans le jeu, purée, on aura ça aussi, on aura la même phase, mais en plus dur. Et ça, c'est ignoble. C'est ignoble. Donc là, j'y arrive pas. Déjà, je galère. En fait, c'est déjà ignoble. C'est énorme. Oui, bon, on va attendre qu'il fasse son petit tour ou déjà faire celui-là. Vite fait. Celui-là. Parce que là, il va bientôt arriver, lui. Oh, ça, c'est parfait. Mais c'est parfait! Il reste encore 1 minute 30. 7. C'est parti pour la deuxième épreuve. Vous le verrez dans le prochain épisode. Non, on va faire seulement 30 minutes. Hein. Ah mais on est des fous, hein. On fait 1h30, 1h40, 1h50. Mais de toute façon, je pense que dans les let's play, la plupart du temps, je ferai des let's play, ouais, des grosses parties comme ça. Que c'est mieux de prendre son temps, voilà. Enfin, surtout de faire moins de... Bah, de prendre moins de temps sur un let's play, quoi, parce que... J'ai aussi envie de montrer des vidéos test, hein, bien sûr. Même si en même temps, j'en poste, c'est toujours mieux quand même de... Voilà, je crois que je me suis trompé. Ah bah non, c'est bon. Voilà, petite énigme, un petit puzzle. Je crois que vous avez compris, il faut ramener ce truc-là aux flammes. Voilà. C'est très inquiétant. Mais voilà, ce qui va ouvrir un nouveau passage. Ce qui va déverrouiller un nouveau passage, comme d'habitude. C'est vraiment... Là, c'est vraiment les codes de Zelda. C'est vraiment ça. Là, RareWare, ils ont tout compris. Alors... Bon, maintenant... Après, je me souviens, la suite, c'était pas dur. Mais encore, là, c'était pas difficile, mais je crois qu'on revient plusieurs fois à cet angle droit. Je crois, hein, je suis pas sûr. Allez, là, petit coup de la Gatling. Comme d'hab, vous savez, il faut que la lumière soit bleue. Non, faut pas qu'elle soit bleue.
faut qu'elle soit verte, j'avais cru que c'était bleu. Ah non, attendez. Ah non, non, c'est bleu. J'ai même pas vu. J'avais même pas vu que ça a ouvert un passage, on est tellement habitué que ça fasse une cutscene quand on ouvre un nouveau passage. Ah et voilà. Et on va entendre la magnifique musique épique quand on pose une pierre, Mana. C'est tellement beau. Donc, déjà que je trouve la pierre Mana. Ce qui n'est pas une tâche aisée. La musique épique dans son authenticité, c'est tellement beau. Non, je rigole. Ok, ça part complètement en live cette vidéo, c'est magnifique. C'est cultissime, c'est original, voilà. C'est fait maison. Moi j'aime pas trop les trucs un peu trop professionnels, un peu... Enfin, c'est pour ça que par exemple j'adore les vidéos de Hooper, voilà. Parce que c'est très original, c'est très... Bah, tu vois vraiment que le gars il a fait presque la vidéo du premier coup, que... Il dit vraiment ce qu'il pense, mais vraiment en mode amateur, et c'est ça que j'aime bien, le côté amateur. Ouais. Et en même temps, il dit vraiment ce qu'il pense du jeu, ou... Contrairement à d'autres qui mettent, je sais pas, des... Par exemple, je sais pas... vidéo test de Game Cult, par exemple, enfin... Des trucs super sérieux, c'est moins intéressant, je trouve, pour se donner une idée d'un jeu, par exemple. Par exemple, jeuxvideo.com, eux, c'est complètement amateur. Ça se voit direct. C'est... Eh, c'est des pros, mais c'est amateur. C'est... Oh, purée. C'est amateur, mais ça dure 10 minutes, donc bon, voilà. C'est un peu court. Oui, c'est comme si moi, je fais une partie de 10 minutes, quoi. C'est un peu con. Mais attends, qu'est-ce que je fais là? Hey Fox, regarde la carte de Pépé! Alors, la carte de Pépé! Pépé here! Ah, d'accord, faut revenir à la vallée Thorntile. Mais why? Pourquoi? Eh bien, nous ne savons point. Mais l'indigène que nous avons sauvé changera le futur. L'avenir. Oui, ça changera l'avenir de sauver cet indigène. Cette espèce de dinosaure. Je ne suis pas un connaisseur de dinosaures. Hein. Je n'ai pas assez souvent regardé... J'ai assez souvent regardé Jurassic Park, je sais. Pourquoi j'ai appuyé sur A? Je voulais qu'il aille vite, donc voilà. C'est très calme et reposant. Nous sommes bien sûr à côté de la plage. De la playa. Ah, cette ambiance. T'es complètement émerveillé, t'es complètement dans la nature. Voilà, c'est beau. Bon, il y a un peu de brouillard. Ah. Fella?
Oh, I don't like this, Fox. Fox, look out! It's a trap! Get him! That's the one! That's the stinking beast that took my treasure! What happened? Untie me right now! I am Chief Lightfoot, and we don't like thieves. Thief? What are you talking about? You take our treasure and give it to the stinking Sharpclaws. Yeah, tell him, Chief. Kill the stinking pig. I didn't take your treasure. You gave it to me. Let me show you what we do to thieves. Use the flame command at the right time, and I'll help you get out of here. Ah voilà, une petite phase originale. Et vraiment, on s'est fait avoir par ces espèces d'indigènes qui sont les Lightfoot. Enfin, je sais pas, le village il s'appelle Lightfoot. Je pense que c'est des Lightfoot. C'est une phase assez originale. Et plus tard, on aura une phase du style comme ça, mais on aura une barre verte au-dessus, comme ça. Bon, là, vous voyez que c'est de plus en plus dur, hein, la barre verte devient de plus en plus petite. Faut appuyer sur A au bon moment. Voilà, faut faire un peu attention. Bon, encore, c'est une phase pas dure. Hein. Quoique, le dernier, il est un peu prise de tête, je crois, si je me souviens bien. Mais sinon, dans les épreuves Krazoa, on aura aussi une espèce de phase comme ça. Bon, c'est pas complètement du même style, mais vous verrez, c'est super hard. Je me suis viandé. C'est magnifique. Purée, ils font mal. Allez, on perd carrément un demi-cœur. Voilà, ça c'est parfait. Stop! Make it stop, and I'll untie you! Thanks for helping our queen, Fox! I'm glad I could return the favor! Ok, donc en fait, ce Cloud Runner, je crois que... Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la monture de Crystal. Et mince, je veux ce scarabée, voilà. Nous sommes à 100 scarabées, ce qui commence à être beaucoup. Surtout qu'on est au maximum. Un village très sympathique, très joli. Je trouve sur les... Les marais comme ça, c'est... J'aime bien cette ambiance. Bon, le problème, c'est que vous voyez, voilà, quand on regarde là-bas... Ouais, c'est vrai que... Finalement, c'est quand même un peu vide. Je me souvenais pas de ça, mais... Vous voyez qu'au loin... Ouais, on voit des armes, mais bon, c'est vite fait, c'est un JPEG en 2D, quoi. Mais bref, c'est... Enfin voilà, c'est comme ça, voyez-vous, hein, c'est normal, le jeu a été trop, il a été trop fait rapidement d'un côté, je dirais, parce que je pense que quand même ils auraient pas mis ça sur GameCube, hein, juste ils auraient mis plus de choses, parce qu'en fait là, à la base ce jeu il devait sortir sur N64 encore une fois, et... Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant. Hein. Bon, après, c'est normal quand on voit ça sur N64, mais sur GameCube, voilà, on peut faire mieux, quoi. Surtout quand on voit Mario Sunshine qui est sorti pas longtemps après, peut-être, je crois. Je crois que c'est après. Je suis point sûr, mais... Ça doit être à peu près la même année.
Si, c'était en 2002 ou peut-être en 2003, un truc comme ça. 2002, je suis plus sûr de 2002. Donc ouais, à peu près en même temps. C'est surtout que... Bah, vous voyez la modélisation de Fox qui est parfaite, et je suis sûr que là, il pouvait pas faire mieux, quoi. Enfin, même quand je vois la modélisation de Fox sur... sur les nouveaux... sur le nouveau Super Smash Bros. Franchement, je... Je sais pas, mais je le trouve aussi bien que là. C'est quand même assez énorme. Ça veut dire que le jeu, d'un côté, au niveau de la modélisation de notre héros, il est méga en avance sur son temps, quoi. Non mais sérieux, quand je vois la modélisation de Fox, c'est assez incroyable. Enfin, surtout quand on voit les cutscenes, quand on voit bien de près, quand on voit vraiment son... bah c'est... Quand on voit les détails de ses poils, pourtant, à ce qui paraît, c'est une technologie assez basique. Ils ont mis plusieurs textures sur... plusieurs textures, ouais, sur... sur Fox. Bon, c'est... À ce qui paraît, c'est un truc assez basique, mais... franchement, qui rend extrêmement bien. Mais bref, qu'est-ce que je... Là, je suis un peu paumé. En fait, là, faut retourner voir nos potes, les indigènes. Ah, c'est là-bas. Et surtout, là, c'est un niveau de mémoire. Faut se souvenir d'où on a vu les statues la dernière fois, parce qu'en fait, vous allez voir, il faut trouver, après, il faut retrouver toutes les statues et toutes les... les activer parce qu'elles ont un interrupteur. Ah. Et là, je sais pas ce que j'ai trouvé. Une pierre triangulaire. Alors, c'est sculpture en bois. Qu'est-ce que ça, ça sert à quoi, ce truc? J'ai même pas lu. Là, c'est le bloc. Ok, bon, ça sera pour plus tard. Ok, j'ai fait un tout petit saut pourri. C'était magnifique. Et franchement, moi j'aime bien cette ambiance là de... un peu, ouais, un peu marécageuse, un peu le village à la, je dirais un peu à la Star Wars. C'est un peu repris de ça. Avec les huttes, enfin les espèces de huttes, je sais pas, les... Voilà ça, qui est au-dessus de l'eau. Au-dessus du marais. Purée. À côté de plein d'arbres. Enfin bref, d'où on... D'où on était allé déjà avant. Parce que je crois que c'était avant, ou peut-être que... Qu'il y a un truc à faire là. Je sais pas où faut placer la pierre, en fait. Non. La sculpture en bois. C'est très important de dire exactement le nom du truc. Après, il y a notre pote l'oiseau là qui est revenu. Le pot de colle. C'est pas possible. Est-ce que tu peux creuser, mon petit Twiki? Est-ce que tu as encore la force? Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Maintenant, c'est un cube. Une sculpture en cube, forme de cube. Trouver un trou qui correspond à sa forme. Ah oui, je crois que c'était au milieu, là, au massif central, je dirais. Enfin, là, on était avant, quand on était... On était attaqué par les méchants des indigènes. Et je n'arrive même plus à remonter.
C'est super. Je fais tout le tour. Je trouve pas l'échelle. Voilà. On monte tranquillement. Voilà, cette musique en fond. Alors, il faut poser ici. Voilà, vous avez vu qu'il nous reste encore un autre. Ah, mais non. Non, j'en sais rien. Ok, alors là, nous avons fait jaillir deux plateformes. Je crois que c'est pour aller ici. Vous voyez ces grandes sculptures. Ces grandes statues plutôt. Sculptures en bois. Mais oui, bien sûr. Là, un peu de plateforme, attention. Oh purée, ce bug. Pauvre Tricky, pauvre Tricky. Ah purée, il a dû souffrir dans cet épisode quand même. Voilà. Oh, petit bug. Purée. C'est pas ça. Enfin, du moment que ça gêne pas. Hein. Il va y avoir pas mal de blanc. Parce que là, je suis en train de réfléchir. Où faut aller? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois monter par là? Bien sûr que oui, mais il n'y a qu'une statue, je crois. Ouais, ça sera pour plus tard. En fait, faut retenir où sont les statues. Exactement. Parce qu'en fait, on va être timé, quoi. On va, voilà, activer ces trucs-là. Avec une musique épique! En fond, qui donne vraiment la force de continuer. Et je me souviens, c'était pas facile. C'est surtout là que ça commence à se corser, quoi. Mais attends, comment on va dans ces, enfin, comment on va dans la hutte du chef là? Ils sont en pleine réunion là. Attention, c'est pas rien, réunion d'indigènes. Ou alors les effectifs. Non, je rigole. Je pense pas que c'est ça avec les indigènes. Mais toi, t'as pas eu mon morceau de viande. Mais c'est à moi cette viande, c'est à moi là. Touche pas là, vas-y là, y va. Réunion d'indigènes. Et j'ai fabriqué un silex pour toi là. D'accord, c'est un peu pourri. Ouais. Oui. Donc là, c'est juste pour avoir des sphères magnifiques et des magnifiques petites sphères de carburant. Boule de carburant. Ah, je crois que c'est par là. Enfin, je crois qu'il faut monter. Purée. Monter par là. Ah, et c'est ça, on voit après un magnifique pont. Donc oui, je pense que c'est ça. Faut aller là-haut, là. Mais comment faut aller ici, déjà? Ah, bah, il y a deux plateformes, d'accord. Faut surélever deux plateformes. Et pour ça, il faut bien sûr trouver d'autres... d'autres sculptures bizarroïdes comme ici. Voilà, bon, on était un peu bloqué, mais ça va. Ça, enfin, c'est pas un lieu non plus immense, donc on peut s'y retrouver. Hey Fox, shouldn't we take a look around? There may be a Krazoa spirit here. What? J'ai pas compris cette cutscene. Alors c'est en allant là. Bon. J'ai pas compris cette cutscene. Pourquoi il m'a dit ça, Chucky?
Parce que je me souviens, oui, il y avait un esprit crasois pas loin ici, mais comment il sait ça, lui? C'est un dieu? Il est devin? Bon. Mais c'est en fait... c'est peut-être parce que j'allais rebrousser chemin d'après lui. On peut pas monter. Allez, d'accord. On ne peut point monter. Il faut retrouver quelques trucs à creuser pour notre cher Tricky. Bon, déjà, je vais déposer la magnifique sculpture. Mais c'est où qu'il y a un trou? Ah. Est-ce que ça a surélevé? Oh, bon, ça les surélève tous. Ah bah c'est bon. Ah bah là il y a une sculpture. Ouais, après il y a des sculptures partout, c'est bon. C'est good, il y en avait que 3 à mettre. Comme quoi c'était pas si compliqué que ça. Il y a juste un peu de recherche à faire quoi. Et voilà, maintenant on peut aller ici. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. Ce qui est marrant, c'est que c'est éclairé, mais il n'y a rien, je crois. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de lampe. Hein. C'est marrant. Ce qui est marrant, ouais, c'est que c'est éclairé. Ça fait... C'est étrange. On va dire que c'est de la lumière dynamique magnifique. Oh, not you again. We know you didn't take our treasure, so just go away. Ah. So, you're looking for Crozoa spirits, eh? Yes, I am. So, maybe I help you, eh? You see, we keep a secret from the Sharp Claws. Under our village is a mighty chamber. Some say it was built by the Crozoa. Do you want to see for yourself, maybe? Duh! Stupid question. Of course we want to see that. Not so fast. Only if you complete the Lightfoot test can you enter. Well, they're laughing at you, Fox. You gotta do it now. But before you decide, take a look at this. Épreuve du mât totémique. Activez les 4 mâts totémiques qui se trouvent dans le village Lightfoot. Vous devez battre le record de 4 minutes 30 secondes détenu par Muscle Foot. Donc voilà. Et là, épreuve de force. Appuyez rapidement sur A afin de rivaliser avec Muscle Foot. Seuls les plus forts peuvent le renverser dans le trou. Et bien sûr, on va faire ça avant. Bruinage de boutons. Let's see how strong you are. Ah, mais j'ai pas besoin de muscles, moi. J'ai besoin d'une manette. Et de mes petits doigts pour te battre. Oui, vous allez peut-être entendre un magnifique bruit. It's so easy. And Fox, you have beaten our strongest Lightfoot. Mais oui, et tu sais comment j'ai battu ce Lightfoot? Avec une manette. Mais quelle force, quelle technique, ce grand Oliver Plasma. Là, vous voyez, il n'y a pas que les muscles. Hein. Fox, il est tout gringalé à côté. C'est totalement logique. Avec ses petits bras. Et lui, il a la magie du bouton A. Et ça, c'est pas rien. Donc alors ça, c'est en 9 secondes. D'accord, je l'ai battu en 9 secondes. C'était magnifique. Activate all 4 totem balls before time runs out. Go! Et voilà, c'est go. Allez, avec la musique épique. Donc alors... 2 minutes 30, c'est pas beaucoup. Faut quand même se grouiller. Il faut se souvenir d'où on a vu ces totems. Là.
Enfin, maintenant je dis totem, mais est-ce que c'est vraiment des totems? Enfin, oui, c'est des totems. Bon. Ils appellent ça je sais plus quoi, mais on s'en fout. On trouvait toutes ces statues. À la vitesse de l'éclair, et c'est pas bon, je fais n'importe quoi. Faut en trouver 4. Donc là, nous sommes à 2. C'est... Bon, on peut réussir, mais bon, attends, ils étaient où déjà les autres? Et là, il y en a pas, je crois. Je sais pas s'il y en a un là. Il y en a un là. J'ai rien dit. Il y a l'autre pot de colle qui m'attaque. Purée, cette musique. Tintintin. Je vais continuer. Je ne trouve pas le dernier. Ah si, il est là-bas. Ah non, quoique, non, c'en est pas un. Où est le dernier? Carte, s'il te plaît, carte. Conduis-moi au dernier. Ok, il y en a un à gauche. Complètement là-bas. Complètement derrière, mais je crois que je vais perdre là. Ah oui, voilà, là-bas. Voilà, faut un peu se référer à la carte. Et pourquoi j'avance plus? Il y a un courant de malade. Je sens que je peux le faire, je sens que je peux le faire. Allez, vite. Là, c'est quand il met 3 plombs à monter en plus. Non, attends, on l'a déjà fait ou quoi lui? J'ai l'impression qu'il est activé. Ah non, même pas. C'est good. Well done, Fox. You have completed the tracking test. Very good. Huh. Well done, Fox. You are now honorary member of Tribe. Et voilà, nous avons déjà réussi. Dans mes souvenirs, c'était bien plus difficile. Bien plus dur. Souvenez, avec mon père, on galérait bien ce passage-là. Je l'aidais et tout, mais bon, je me souvenais aussi que j'avais du mal. C'était un passage assez ardu, alors que là, j'ai réussi du premier coup. Comme quoi. Comme quoi, mais oui, mais c'est la skill qui parle. Faut faire quoi avec ce truc déjà? Je crois qu'il fallait tourner les parties du totem. Ça fait rien. Bon, on va remonter. On va voir s'il y a un interrupteur là-haut. Une connerie, je sais pas, n'importe quoi. Bon, déjà, il y a Tricky qui court à toute vitesse. Ah, j'ai vu l'interrupteur. Comme quoi, il faut prendre des points de position, des points d'observation, comme dans Assassin's Creed. Hein. C'est pas rien. C'est le premier jeu qui a instauré ce système. L'ancêtre de Assassin's Creed. Alors, qu'est-ce qu'il veut, là? Non. Bah. Il faut revenir là-dessus et... Bah. Ah ok, faut rester dessus. Ok, on voit un serpent. Là. Bon, c'est pas dur. Faut juste avoir assez de mana. Magnifique. Magnifique. Je me suis complètement viandé. Il revient pas là?
Aïe. Encore viandé? C'est pas possible. Voilà, enfin. Voilà, le dernier était assez ardu. Et nous avons quand même réussi pour pouvoir accéder au prochain Krazoa. Et ça sera sans doute la fin de la partie après. Là, parce que nous sommes déjà à 1h05. Ce qui fait déjà pas mal. Comme quoi, bon, c'est quand même une partie assez intéressante. Vous avez vu au moins le village Lightfoot. Village. Voilà, dans mes souvenirs, c'était très joli, mais bien sûr, ça a quand même vieilli. Ok. Alors, faut péter cette caisse, et oui. Et nous dévoilons. Un magnifique passage. D'accord. Ouais, on va déjà se débarrasser de ces trucs, parce que je déteste ces ennemis. Même avant, je les détestais. Hein. C'est prise de tête, ses ennemis. Ok, là, on se grouille. Comme d'hab, faut toujours se grouiller. On est toujours pressé par le temps. On va péter ça pour avoir de la vie. C'est toujours précieux, la vie. Ah oui, je me souviens de ça. Ah oui. Oh non, purée. Ça me rappelle quelque chose. Oh non, c'est la fameuse épreuve ultra hard. Vous allez voir. L'épreuve avec le Krazoa. Oh mon dieu. Pas cette épreuve. Purée, c'était une épreuve tellement difficile, je me souviens. C'était... Ok. Si ça se trouve, je vais réussir du premier coup. Hein. On sait jamais. Je me souvenais ouais, de refaire à chaque fois cette partie-là. Ça me saoulait avec les tonneaux et tout. C'est... Des trucs faciles, mais bon, au bout d'un moment, ça use, quoi. Voilà, c'est l'épreuve là, l'épreuve de la peur. Je crois que c'est ça. Mon dieu, pas cette épreuve. C'est mon pire cauchemar. Non! C'est pas possible! Vous allez devoir affronter votre plus grande peur! Gardez la ligne directive dans la zone verte. Voilà. C'est ce qu'il faut faire si vous réussissez. Vous pourrez me ramener au palais Krazoa. Concentration. Putain de... C'est pas possible. Oh non, pas cette épreuve. Mon dieu. Oh, cette épreuve de fou. C'est l'épreuve qui éprouve le plus de sensations. Mais non, je voulais pas appuyer. Non, c'est magnifique. Oh, cette épreuve... il faut avoir la manette en main pour m'y croire. On est tellement à fond dedans. Et puis quand il se passe quelque chose... le réticule rouge bouge. C'est incroyable comment il bouge. Et on sait jamais s'il bouge vers la droite ou la gauche. Donc voilà. On sait jamais quand les ennemis pop surgissent devant nous. C'est un truc de fou. Cette épreuve, c'est un truc de fou. Ah, c'est l'épreuve la plus difficile du jeu pour moi. Là voilà, l'épreuve la plus difficile du jeu. Après, on aura une épreuve de mémoire, encore une fois. Mais je pense pas qu'on aura beaucoup de difficultés. Même si encore, faut voir quand même. Faut se souvenir de ce qu'on a fait dans les parties précédentes, en fait. Mais vous verrez, c'est une épreuve assez sympathique. Celle-là, c'est une épreuve douloureuse. C'est le mot. On va abandonner le let's play. Hein. C'est carrément ça le truc. Ouais, il me saoule, ses ennemis. En plus, il se barre pas, hein. Il reste bien à côté. Même quand on a franchi la porte. C'est relou. Donc bon, ici, c'est vite fait. Avec les stalagmites.
Bon, je me suis un peu fait toucher, c'est pas grave. Mais c'est surtout, en fait, les épreuves, elles sont simples, mais tu te fais toucher, donc en fait, je pense qu'ils... Les développeurs, ils savaient à l'avance que l'épreuve, là, de peur, est extrêmement hard, donc ils te mettaient des épreuves juste avant, comme ceux-là, là, qui te font perdre un peu de vie, quoi. Donc au bout d'un moment, tu seras presque plus de vie. Donc tu feras que de perdre. C'est ça, en fait. C'est un vrai niveau à sensu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il nous pompe notre vie, quoi. Ouais, et concentration, je vous laisse l'audio. C'est pas possible. Ah. Ah, vous avez vu ça, le réticule rouge qui est parti à fond vers la droite d'un coup, quoi. Après, faut se concentrer à une fraction de seconde, mais c'est un truc de fou. Et là, franchement, j'étais en mode concentration ultime, hein. Vous verrez ma tête, c'est énorme. Ah, cette épreuve, c'est énorme. Ah, c'est... Je m'en souviendrai toute ma vie de cette épreuve, hein. C'est purée. Non, parce que certes, j'avais refait deux fois, je crois, mais c'était il y a bien longtemps. Puis la première fois, je me souvenais de mon père, comment il avait galéré aussi à cette épreuve, c'était assez incroyable. Purée, c'est vraiment le passage le plus ardu du jeu, presque. C'est vraiment... C'est... Oui, c'est presque une surprise. C'est même à cause de ça, oui, qu'on était quand même bloqué assez longtemps. À l'époque. Ouais, encore touché une fois, c'est beau. Ouais, et concentration... Je ne parle plus, comme d'hab. Je peux pas parler dans ce genre de circonstances. Purée. Mais c'est quoi, ça? Il est complètement parti par la droite au début, j'ai rien compris. Ok. Nous avons tenu une seconde. Mais avant, on était presque à la fin, quand on voyait l'espèce de General Scales fantomatique, là. Moitié translucide. On était à la fin, là, franchement. En fait, ce qu'il faut faire, faut complètement se concentrer sur le réticule rouge et pas regarder ce qui se passe. C'est ça le truc. Mais c'est chaud. Faut juste se concentrer sur le réticule rouge s'il va vers la droite ou la gauche. Et il faut surtout pas trop se fier aux ambiances sonores et aussi, bien sûr, aux images. C'est franchement une épreuve vraiment intéressante à faire. Mais voilà, quoi, c'est dur. Trop d'émotions. Ok, y a même plus les caisses. Air pop pas. Bientôt, j'utiliserai ma one-up, hein. Ça sent totalement débile. Ce serait comme la partie 3 où j'ai perdu pas mal de one-up. C'était cool. Enfin, pas mal de vie plutôt. Voilà, parlons deux secondes à notre pote. J'ai
J'imagine pas si tu dirigeais ça avec la manette de la N64. Hein. Oh mon dieu. Oh, ça serait énorme. Là encore, il se passe pas mal de choses, mais ça bouge pas trop. Ah, c'est là que ça a bougé à mort. Yes! Victory is mine! Magnifique. Franchement, j'avais eu peur au début, j'ai cru réellement que j'allais être bloqué. La première fois qu'on le faisait avec mon père, franchement, on mettait énormément de temps. Pour vous dire, le temps qu'on a mis, franchement, c'est incroyable. On avait recommencé plein de fois le niveau d'avant, c'était un truc de fou. Donc voilà, la skill parle. C'est peut-être maintenant, peut-être parce que j'ai fait d'autres jeux, peut-être d'autres jeux plus ardus. C'est peut-être ça qui a augmenté ma force. C'est peut-être ça qui m'a rendu Super Saiyajin. Oui, parce qu'avant j'étais du genre à tomber dans les premiers trous de Mario Bros 1, donc voilà. On va pas dire que c'était une skill magnifique. Ouais, c'est pas grave. Ah, ça fait du bien de ressortir hein, quand même. C'est 1h17, bon, c'est pas non plus énorme, on va pas s'arrêter direct. On va continuer. Surtout que là, mon cœur il battait à 100 à l'heure. Là. Franchement, on a eu de la chance, on a eu de la chance. C'est genre d'épreuve, soit tu réussis quand même assez rapidement, enfin. Au bout de quelques tentatives comme là, ça va. Ou soit tu galères, mais tu galères, mais. Mon pauvre quoi, c'est jusqu'au bout quoi. Le problème c'est que dans les jeux actuels, t'as plus cette sensation de difficulté des fois. Puis même si quelquefois t'as ça, tu bourrines un peu et c'est bon quoi. Dans les jeux dans les FPS par exemple, surtout. Follow me. Il y a ça tout le temps. Je pense que j'en ai pas mal parlé dans la partie 2 quand on était contre l'esclavagisme des mammouths. Tout à fait. J'aime bien donner des titres à mes Let's Play, puisque, enfin, mes parties sur Star Fox, parce que je le faisais pas avant dans les autres Let's Play, je mettais juste partie 1, partie 2, partie 3, et ça donne un peu plus de, comment dire, d'originalité, quoi. Et au moins, vous pouvez un peu vous renseigner par rapport au titre, au magnifique titre qui résume tout. Voilà. Avant de regarder la vidéo, voilà, je trouve ça pas mal de mettre un titre. Et là, franchement, le titre que je mettrais, je pense que ce sera l'épreuve de la peur. Je pense. L'épreuve ignoble. Ah, ce serait plutôt ça, peut-être. Enfin, vous verrez. Donc, je vais au temple Krazoa. Are you ready to go to Krazoa Palace? Ah oui, I'm ready to go Krazoa Palace. Putain, j'ai du mal à dire Krazoa en anglais. Krazoa. Krazoa Palace. Ah, il nous téléporte direct là. Ah oui, je me souvenais pas de ça par contre.
qui vont me téléporter direct au centre du palais. À la zone centrale du palais. Là, on est allé déposer le premier cristal. Quoique. Le premier cristal. Avec cristal, on a déposé le premier. Le premier crasoir, voilà. Vous avez vu qu'il y avait un changement, c'était devenu rouge là. Ouais, c'est devenu. Attendez. Oh, c'est énorme, quand on recule, le palais redevient comme quand on était avec cristal, bleu, et là il redevient rouge. Il est plus petit qu'avant, j'ai l'impression. Avant, il y avait un passage par là. C'est. Enfin. C'est bizarre, ou peut-être qu'il faudrait que je re-regarde la partie 1. Ça se trouve, c'était. Non, je pense vraiment pas que c'était rouge avant. Le palais a changé tout seul. Ah oui, vous savez, hein, les Krasoa, ils ont reconstruit leur palais, là. Ils ont en profité hein, pour reconstruire leur palais. Ils font qu'à leur tête. Hein. Ils ne pensent à aucune idée, ils pensent sauver Cristal. Hein. Oui, bien sûr. C'est des flemmards. Hein. Ils ont besoin d'être 5 pour sauver la petite renarde. Ah, mais c'est des salauds. C'est des flemmards. Ou c'est aussi irréaliste et c'est pour allonger la durée de vie. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Et on défonce notre pote. Comme d'hab, il pleut. Fait pas beau. J'ai envie de dire. C'est comme à Nantes. Comme j'avais dit l'autre fois. Mais. Où est-ce qu'on peut poser ce truc? Ici? Non. Là, on l'a déjà déposé de toute façon. Fait un peu le tour. Hein. Il n'y a rien derrière, je pense. Il n'y a rien derrière. Bon, la Fox, il n'est pas retombé sous le charme de Cristal. Hein. Vous voyez, hein, il a toujours son air sérieux. Ah, voilà, là, c'est le fameux. Tiens, c'est peut-être par là qu'il faut le poser, ou peut-être là plutôt. C'est le fameux Krasoa, le premier Krasoa qu'on a sauvé. Il est dans ce magnifique truc. Oula, le dodo, c'est bizarre. On dirait une machine. Ça fait très. À la fois, ça fait à la fois ancien, mais à la fois très. En fait, finalement, futuriste. Hein, derrière, tu vois des espèces de tuyaux qui sont reliés avec ce masque. Voilà. Voili voilou. C'est passionnant ce que je dis. Ok. Donc les deux côtés on peut pas. Mais attends, oui, il y a bien 5 Krasoa. Ah oui, c'est ça. Non, attends, 6. Oui, il y en a 6. Je ne sais plus compter. Donc alors. 6 Krasoa. Attends, on a fait l'épreuve la plus dure, c'est la troisième quoi. Troisième sur 6. Parce que c'est l'une des seules épreuves où dont je me souviens. Parce que le jeu, franchement, je l'avais fait deux fois, mais juste après quoi. En vrai, trois fois peut-être avec mon père la première fois, voilà, mais je dirais deux fois, parce que deux fois réellement tout seul quoi. Je fais le tour. C'est comme un petit toutou. Le mur descend. Voilà, on va faire un magnifique saut. Il y a Fox qui a gueulé. Mais je crois que par là on pouvait passer. Ah, quoique il y avait une porte où on devait devenir un méchant aussi. C'est peut-être par là. On va voir.
Non, ça m'étonnerait. Non, on peut pas de toute façon passer de l'autre côté. Il faut qu'il y ait le ventilo. Donc ouais, il faut trouver cette fameuse porte où, qu'on peut ouvrir que en se transformant en méchant pas beau, en Shark Claw. Ah bah c'est là. Comme quoi, quand on parle du loup. Bien. Libération. Magnifique, nous avons libéré le troisième Krazoa. Comme d'habitude, nous avons affaire à la fameuse cutscene. Voilà. Et Fox est content. Et on revient à Tantai. Teleportation. Voilà, je pense que sur ce, cette partie sera finie. Voilà, c'est... Magnifique fin de cette cinquième partie. Nous avons libéré le troisième Krazoa. Là, bah tiens. Et vous voyez juste en face, un dinosaure qui nous appelle. Qui veulent qu'on aille sauver. Qui veulent qu'on aille sauver ses petits derrière. Mais on verra ça dans la partie 6. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour The Sixth Part.